là. 5 minutes, mamie. Venez, on essaie d'avancer. Regardez. Et on a dit, des fois l'homme, il a mal. Après, ça dès que tu vis, prends tranquille, détends-toi, on va faire les brachot et tout. Regardez. Bezrat Hashem, des fois dans la vie, on comprend qu'il faut que je sors d'Égypte. Ça, on sait chaque année. Quel âge vous avez? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Combien de fois on a attendu cette histoire des Yetziat Mitzrayim? Chaque année, elle a attendu au moins 30 ans dans sa vie. D'accord? C'est pas 40 ans. Et bassof, tu vois, d'une année à l'autre, une fois que ça déclenché que finalement les Yetziat Mitzrayim, c'est pas les Yetziat Mitzrayim, marchav. Géographiquement, il y avait les Yetziat Mitzrayim. D'accord? On était en Égypte. Mais il faut comprendre une chose, que si on n'a pas touché quelque chose au moins, que c'est quelque chose de très profond au moins, que je dois le déclencher, que je dois l'élever, je ne peux pas sortir d'Égypte. Tu peux encore faire une super repas, le veille de Pessah, remplir les ventes, faire une maison très propre, mais le lendemain de Pessah, une semaine après Pessah, tu reviens comme tu étais. Et on n'a pas compris le message. Le message, il est le même. On a dit plusieurs fois, Hachem, il sort le soleil chaque jour. D'accord? Maintenant, j'appuie sur le bouton, je ferme le tris, c'est noir ici. Khashour, comme on dit, obscurité. Alors tu rentres, tu dis quoi? C'est la nuit? Non, pas du tout. Ah, Hachem, le soleil n'est pas rentré? Tu dis, pas du tout. Le soleil, il dort. Mais moi, j'ai fermé chez moi. Ça veut dire, Hachem va te donner. Akadosh Baruch Hu va te gâter. Hachem va te donner un vrai plaisir que tu ne connais même pas. Qui c'est qui le fait que tu ne peux pas recevoir tout ce plaisir? C'est toi. Pourquoi? Le soleil et le dor, toi tu as baissé le ton. Souvenez de ça. Ton limite, ce qu'Hachem veut me donner. La même chose, toute notre vie, Hachem veut nous donner. Ça veut dire quoi donner? Il faut comprendre qu'à l'intérieur de chacune de nous, sans exception, il y a une neshama éloquite. Vous savez ce que c'est éloquite? Une âme divine. Pas chassif, divine. C'est quoi Hachem? Il t'a créé, c'est marqué va y par ba'pav mishmat chaim. Chachamim et Didéo, il a soufflé. Mimeno on afar. Ça veut dire que si maintenant je vais à la plage, je remplis un verre de l'océan, tu vas me dire quoi? Le verre qu'il est dans le verre, l'eau, le verre d'eau que j'ai dans l'eau, c'est le même qu'il y a dans l'eau. C'est le même, d'accord? Qu'est-ce qu'il change? Que dans le verre, il est limité. Mais c'est le même eau, d'accord? Si moi, je viens d'Hachem, s'il y a une partie d'Hachem en moi, j'ai coulé à Kadosh Baruch Hu. Simplement, je suis limité. Le verre, c'est comme le corps. Je suis limité dans mon corps. Pourquoi? Parce que c'est quoi le corps? C'est un côté matériel. Comment on est composé? Deux forces opposées, le corps et la neshama. Maintenant la neshama, Chachamim il dit, c'est comme even shenichtseva me'ahar. C'est comme une pierre, une montagne, tu l'as cassée, tu as pris une pierre. Tout ce qu'il y a dans la petite morceau de pierre, il y a dans la montagne. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu comprends qu'en toi tu as la neshama Elohim, qui a Kadosh Baruch Hu depuis que tu es né, d'accord? Il t'attend. Il t'attend quoi? Que tu sors de cette, on va dire, piège qu'on est en train de vivre. Tous on est dans une piège. Tous on est tombé dans les pièges. Les pièges de quoi? Les pièges des corps. Les pièges de cette mentie. Les pièges de Paro. Les pièges d'Égypte. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous donne chacun, Bezrat Hachem, jusqu'à 120 ans, que tu, plus vite tu fais tshuva. Plus vite tu comprends, plus vite tu sors d'Égypte, plus vite tu attends à commencer à réparer ce que tu dois réparer. Or, ferme la porte, maman. Comme l'histoire d'Égypte, c'est quelque chose que ça nous fait un petit peu quoi? Je sors d'Égypte, ça veut dire quoi? L'Égypte, même si c'est pas le top, mais je suis là, c'est ma vie. Mais je vais aller au désert là, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Moi, ça me fait peur le désert. Je n'ai pas envie de faire ce changement.
Donc, je reste dans une obscurité. Je reste en Égypte, malgré que ce n'est pas bien et c'est une obscurité, mais je reste là-bas. Pourquoi? Parce que vous allez voir que on peut parler maintenant, je peux vous prouver des choses. Je peux vous montrer des preuves, des choses, pas qu'à vous, à qui vous voulez. Et les gens, dernière ligne, ils vont savoir la vérité, mais ils vont rester dans les mêmes positions où ils sont. C'est quoi sortir l'Égypte? C'est comprendre que tu es esclave. Comment un esclave peut être libre qu'après qu'il a compris qu'il est esclave? Mais s'il ne croit pas qu'il est esclave, comment tu veux qu'il cherche une liberté? Est-ce que vous comprenez que nous tous, on est esclaves quelque part de quelque chose dans notre vie? Je me suis esclave de mon confort, des cigarettes, de manger, des beautés, de l'argent, les plaisirs de ce monde, d'accord? Donc nous on appelle ça plaisir ou certains conforts, mais c'est pas encore, vous êtes avec moi les filles? Oui. C'est pas encore un dixième des vrais plaisirs que Hachem veut nous donner. Nous on est maintenant on est que dans la clipa, on est que dans l'écorce, on n'est même pas enlever l'écorce pour goûter un tout petit peu, parce que c'est un vrai plaisir. Est-ce que vous comprenez? Quand est-ce que tu vas goûter vraiment un vrai plaisir? Quand tu vas comprendre que tu as des choses à faire. Et pour comprendre à s'équiper de toi, au début, tu dois te sacrifier ton ami. Tu dois te sacrifier ton moi. Tu le sacrifies. Maman, je te le fais corban, sacrifice. Et une fois que tu te dis Hachem, je donne comme, j'émanille complètement, là on commence à parler. C'est dès que tu acceptes de t'annuler tous tes, on va dire, petits mini avodazara, d'accord? Là on peut commencer à parler. Là ça commence à être peut-être la sortie d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et même quand tu sors d'Égypte, vous croyez qu'on a fini avec l'histoire? Les 20% qu'ils ont sorti d'Égypte, croyaient qu'ils étaient un homme libre, pas du tout. Parce que Chachamim il dit, c'est plus difficile de sortir l'Égypte d'un juif que sortir les juifs d'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est déjà que je sors d'Égypte, déjà c'est pas évident. Mais une fois que j'ai sorti d'Égypte, donc j'ai des tournants dans ma tête, j'ai des habitudes dans ma tête d'Égypte, comment j'ai vécu en Égypte, comment j'étais en Égypte. Nous tous, on véhicule, depuis qu'on est petit, d'être mon hôte, comment ma mère elle était, comment elle m'a fait, mon père, et mon frère, et la maison, et on était pauvres, on était riches, personne ne fait attention à moi, c'est moi qui l'a préparé à manger, c'était qu'elle mettre les choses dans les micro-ondes, et mes voisines, et mes copines à l'école, ils m'ont toujours dit que je suis voaria, j'étais grosse, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des photos, et tu grandis, tu peux apparaître 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais dans ta tête, tu es casé avec certaines choses qui te bloquent. Parce que où tu vas, tu ramènes ce tableau avec toi. Où tu vas, tu le ramènes. Donc maintenant, si je prends un verre rose ou un verre bleu et je verse de l'eau, tu vois bien que l'eau, il ne change pas. L'eau, il est toujours le même couleur, d'accord? Mais dès que tu le mets dans un ustensile, il prend la couleur de l'ustensile. Donc des fois tu crois que la mer elle est bleue, ou la mer elle est grise, ou le verre il est bleu, mais c'est ishtakfut, c'est l'image qu'il y a dans l'ustensile qui donne la couleur dans l'eau. Donc il faut savoir que mon attention dans la vie, qui m'empêche de faire cette pas pour changer d'Égypte, sortir d'Égypte, pardon, c'est mon image que je ramène à chaque chose. Comprenez que notre regard sur la vie dépend de mon regard que j'ai sur moi. Si à l'intérieur je vis rose, je vais amener un petit peu de couleur rose, surtout sur les gens, sur la façon qu'ils me parlent, sur mon mari, sur mes enfants, sur les voisines, sur les gens, sur des situations, sur les banquiers, sur la CAF, sur les gens. Mais si chez moi, c'est pas tellement rose, c'est même tendance à un peu avoir été un peu gris, un peu des fois, même tendance à être un peu noir, donc tu vas ramener ça
chez ton mari, chez tes enfants, chez tes voisines, chez tes gens, et à la banque, etc., etc. Donc, pour que ce soit maintenant, peut-être pas rose et pas noir, mais que je commence à être vilazaf, comme le Rambam dit, que je commence à un petit peu, un regard, un peu, on va dire, un petit peu normal, pour que c'est à l'intérieur chez moi, je vais commencer à faire une cédère dans ma vie. Si tu ne fais pas une cédère, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Tu peux voir autant de miracles, mais si tu n'as pas cédère à l'intérieur de toi, les miracles vont te faire waouh, et encore waouh, tu vas rester en Égypte comme tout le monde, qu'ils n'ont pas vu. Même les Égyptiens, ils ont vu les miracles. Tout le monde a vu des miracles. Et quand même, ils ont resté là-bas. Pourquoi? Parce qu'entre eux, j'ai compris quelque chose. Et j'ai vu la chose, c'est le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Toute notre avoda dans notre vie, via datayon, de Shabbat à l'Ebavecha. Tu as compris que cigaria, c'est pas bien. Pourquoi tu continues à fumer? Pourquoi tu continues à fumer? Est-ce que vous comprenez? Tu sais que tes limites dans le cholestérol, commence à faire attention à ce que tu manges. Ah non, toi tu attends quand t'es collé au mur que les médecins te disent, écoute, ou tu manges ou tu meurs, ou tu arrêtes de manger ou tu meurs. Ah là tu comprends? Ah c'est là que tu vas sortir des jus, des fois tu n'arrives plus à sortir. Donc pourquoi aller au... pas comprendre que si tu fais une cédère, ça veut dire quoi cédère? Connexion. C'est quoi les connexions? Déjà, avant que je me connecte à Hachem, je dois me connecter avec moi-même. Est-ce que vous comprenez? Connaître qui tu es. T'es une neshama. T'es une neshama, même si pour tout le monde qui croit que t'es une autre personne, ou personne te considère, mais pour Hachem, t'es unique. Donc, t'es unique, ton travail il est unique, ce que tu dois faire, que toi tu peux le faire, personne d'autre peut le faire si ce n'est pas toi qui le fais. Et tant que tu n'as pas compris ce que tu dois faire, tu ne pourras pas sortir d'Égypte, tu ne peux pas faire ton tikkun, tu vas aller d'un endroit à gauche. Donc, si tu te connectes à toi-même, ça veut dire que tu commences à te regarder comme si on te regarde avec une loupe, qu'on ne voit que toi. Et tu comprends quand Chachamim te dit que tu dois dire Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde était créé. C'est pas un orgueil. La Torah elle dit Meforash, Kol Yehudi, femme, homme, doit dire pour moi, le monde était créé. Donc si le monde était créé pour toi, c'est que le monde entier, il est là pour te servir, que tu arrives à faire ce que tu dois faire dans ce monde. Mais si tu restes en Égypte, parce que tu n'es pas connecté à toi, et tu ne pourras pas sortir de ton Égypte. Tu ne pourras pas commencer à réparer ce que tu dois réparer. Et tu vas faire quoi? Encore, tu vas tourner au rond. Quand cette femme que je les vois, ils ont 60 ans, tu racontes des choses, 60 ans, même 70 ans. Tu t'attrapes après les cours, tu dis des choses. Mais Shigaon, il y a une femme carrément devant tout le monde, elle a dit, écoutez-moi, moi, tout ce que vous faites, c'est rien à côté de ce que je fais. Je vous dis aujourd'hui, je regrette d'être têtu, je regrette de ne pas écouter, je regrette de ne pas sacrifier un petit peu mon physique, parce qu'elle a fait toutes les choses que vous pouvez s'imaginer, mon physique, ça veut dire que même si tu fais une cédère dans ta vie, tu n'arrives pas à avoir des regrets, parce que toi, tu fais ton ishtadlout. Les résultats ne dépendent pas de toi. Tu fais ton ishtadlout d'être quelqu'un qui va vers ton but. C'est quoi aller vers ton but? Aller vers commencer à bouger. Commencer à sortir de mon Égypte. Et une fois que Gvar est d'accord de sortir d'Égypte, alors on fait une étape par étape. Gvar que tu sors, ça veut dire, j'ai dit, allez, je vais commencer à sortir. Donc je vais dans un cours de Torah. Comme vous faites là. On essaie de s'habiller un petit peu sinon de temps en temps. On essaie de faire Shabbat, on essaie de faire aller au Mikvé, ce qu'ils ont. On essaie de faire vraiment les choses. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en Égypte, mais on ne peut pas dire qu'on est complètement sorti. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous fait qu'on est faible? Pourquoi on n'est pas high? Cours de Torah, waouh, je suis flash, tout comment? Parce que l'Égypte, elle n'est pas sortie de nous. On est sorti, on commence à sortir, mais l'Égypte, elle est encore en moi.
C'est des petits regrets. On a. Toi d'abord, je suis sûre que tu as un irat shamaim, un vaï al kulam irat shamaim, comme tu es, la crainte du ciel. Mais, des fois, non, mais rien il est fixe. Ça veut dire, même si on a l'irat shamaim, même si on a l'aimuna, problème que même si il y a des gens, entre parenthèses, on a dit plusieurs fois, pourquoi on fait la iloula de tzadik quand il a quitté le monde, et pas quand il est né. Pourquoi? Parce que quand il est né, jusqu'à toute sa vie, il peut être sadique. Mais ce qui compte, c'est la dernière ligne. Comment tu as quitté cette montée? Tu étais sadique ou tu n'étais pas été sadique? Et pourquoi Chachamim nous dit, Altamim Batsmecha, ne crois pas à toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Tu peux avoir des mounas, tu peux avoir la crainte, tu peux être sadique, tu peux faire toute la journée des mitzvot. Mais les Tzahara, tac, tac, il essaye. Il essaie de te piquer non-stop, non-stop, si c'est à travers des oreilles, des yeux, des nez. On a vu Shimon Kohen Gadol. Yohanan, il était Kohen Gadol, 80 ans au service de Beth Amikdash. Si vous avez une idée de ce que ce service de Beth Amikdash 80 ans, ça veut dire que chaque année il monte au Kodesh HaKodashim, il sort tout fraîche. Normalement, le Kohen Gadol, au Shoma, il a une pensée un peu légèrement pas bien, il meurt sur place. Tellement que c'est Kadosh, on le met une file de fer. Si on voit qu'il n'est pas descendu, il ne peut pas rester longtemps, on les tire. Personne ne peut aller là-bas. Donc cette Yohanan, 80 ans, il monte, chaque année, top. 80 ans, Douda, il a changé. Il est devenu Tzduki, complètement à l'envers de ce qu'il était. Chachamim, il te dit, tu ne fais pas. Iravan Benavat, il y a plein de midrashim sur des gens. Pour nous dire quoi? Si tu n'as pas compris que même si tu sors d'Égypte, même si tu es en train de sortir, même si tu es, allez, tu es sorti d'Égypte, d'accord? Dans les mitzvahs, il y a des missionnaires. C'est quoi les mitzvahs? C'est tête à tête avec Hachem. Et pourtant, les habits grandis avec moi, je fais comme ça, il y a l'eau, et les manger, patati, une autre vie. Mais il y a des missionnaires encore pire que tu étais en Égypte. Pourquoi? Parce que l'homme, tzarich liot, olech v'mizdaker. On doit aller se purifier, se purifier, se purifier. Pour arriver à quoi? Qu'illuminer ma neshama. Est-ce que vous comprenez? La neshama, elle est là. D'accord? Maintenant, elle est couverte. Couverte, de plein. Imaginez-vous des couverts, comme ça, des petites couvertures. Alors, comment elle vit la neshama? Comment nous, on vit? Plus ma neshama, on voit un petit peu de lumière. Un petit étincelle de maneshama, tu peux être en high au moins 2-3 ans. Si c'est pas 2, si c'est pas peut-être 4-5 ans. Un petit étincelle de ta neshama. Le problème c'est quoi? C'est que notre neshama, juste qu'elle commence à avoir un tout petit peu de projet pour l'éliminer, d'accord? Hop, elle s'éteint. De quoi elle vit? De quoi nous on peut avoir de l'essence, c'est plus je découvre ma neshama. Comment je découvre ma neshama? Quand je commence à sortir Égypte de moi-même. Ça veut dire qu'on voit des gens qui ils ont fait des mitzvot, ils font des mitzvot, ils sont religieux, mais ils sont dans une... C'est-à-dire que si tu les vois extérieur, ils font tout ce que tu peux t'imaginer. Mais à l'intérieur d'eux, c'est pas déclenché. Ce que vous comprenez, c'est pas déclenché. Ils sont pas... Physiquement, ils sont plus en Égypte. Mais Égypte, elle est en eux. Égypte, elle est en nous. Vous pouvez même pas s'imaginer comment je fais une sourire. Je peux pas ne pas... de ça. Là. Non. Non, il ne met pas. Non, il ne met pas. Non, pour mettre la poussée dans... Oui, mais pas... Pour leur donner, quoi. Il y a des cours. Oui. Donc, non, j'aime pas les... Il n'y a pas de problème. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ces gens-là, malheureusement, qu'ils font tout. Ils font tout. Maman, c'est quand tu vois ça, tu pleures, tu dis les pauvres, quel sourire ils ont. Pourquoi?
Parce que sortir d'Égypte, c'est une chose. Sortir d'Égypte de toi, c'est un autre travail. Ça, non, là, moi, c'est super, mamie. Là, non, Non, j'ai en fait pensé, il y a des gens, ils sont nés dans la religion, et ils sont de père en, en fils, hein, ils font les trucs normal. Et il y en a d'autres, ils ne sont pas nés dans la religion. Exact. Et ils font plus, peut-être, des choses, mais pas des trucs de religion. Il faut comprendre une chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre une chose. Moi, je me comprends, c'est pour ça que j'ai tout pire. Les être un juif, bien, collé à Hachem, mais umka de liba, collé à Kadosh Baruch Hu, vive Hachem, c'est les choses les plus dures. Mais c'est les choses qu'il peut t'amener, c'est les seules et uniques choses qu'il peut te remplir tous les coins de ta neshama, que rien matériel dans ce monde peut te remplir comme le contact avec Hachem. Plus tu développes ta neshama, plus tu es. Si tu donnes de la nourriture à ta neshama, tu commences à sortir de l'obscurité. Maintenant, pour que je laisse la place à ma neshama, j'ai obligé d'arranger dans ma tête toute cette photo que j'ai depuis mon enfant, des choses, des petits blocages, des petites limites que je ne sais même pas pourquoi je les mets. Il y a plein de femmes qui me demandent, pourquoi tu ne fais pas ça? Ah non. Mais, dis-moi, je t'ai dit de le faire un instant, je peux écouter. Ah, il sort une vibration comme s'il va gratter partout. Sira qu'elle part, pourquoi? Comprenez que c'est des photos que tu as dans la tête. Donc vous vous souvenez, on a dit plusieurs fois. Tu prends une tête, 100% d'obscurité. Une personne était complètement à l'ouest, complètement. Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que tu crois que combattre l'obscurité, tu vas arriver? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sors 10% de l'obscurité, tu rends 10% de lumière. Mais je suis quand même 90% encore de l'obscurité, hein? Ça sert à quoi? Attends, l'atlat. Tu sors encore 10% de l'obscurité, tu rends 10% de lumière. Et l'atlat, c'est quoi ces 10% de l'obscurité, 10% de lumière? Il faut savoir que l'étude de la Torah, les halakhot, les agadot, les chumash, les parasha, les sugyot dans la Gemara, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que je sors une photo que j'ai et je rentre autre chose. Je sors quelque chose et je rentre. Comment vous voyez les gens? Comment se faire une petite cour, une mitzvah, encore une cour, encore une mitzvah? Les athlètes, tu vois la personne transformée. Pitom, elle avait des problèmes avec ses enfants, ça s'arrange, l'autre il se marie, l'autre elle est à la parmesa, la... De où ça vient, quoi ça, une baguette magique? Pas du tout. T'as sorti de l'obscurité, t'es rentré de lumière. Plus tu sors, tu rentres. Qu'est-ce que tu peux rentrer? Parce que si tu sors pas, et si tu rentres pas, tu vas trouver dans la même chose. Rappelez-vous, toujours avant une grande lumière, il y a une grande... Hazard. Donc plus la lumière elle va être grande, plus tu vas vivre une grande obscurité. Ça veut dire que quoi? Chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est en obscurité, ça veut dire qu'il y aura une lumière qui elle arrive? Bien sûr, s'il cherche cette lumière. Mais s'il est en train de fumer une shit là, sur la plage là-bas, tu vas dire, ah, alors là, il est en grande obscurité lui, hein? Donc il y a une grande lumière qui va arriver, pas du tout. Quel rapport lui à la lumière? Il est déconnecté. Il n'a pas fait les connexions avec lui-même. C'est pour ça les gens ils disent Mashiach, Mashiach, amène ton Mashiach petit Mashiach à toi. Sors de ton galout, sors de ton gola, rentre les alef dans ton gola et tu vas être ton idée ou là. C'est que si je vais sortir de cette gola que j'ai, dans cette galoute, on est tous dans une galoute. C'est là qui te dit non. Moi, tip-top, alors là, il est pire que tout le monde. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Vous comprenez que... Mais autant... Est-ce que je vois lui à faire un rat, il va chez, même chez les grands salariés? Oh, comment? Tu sais, il y a une fois... Paul, il y a quelqu'un qui est venu voir, je crois que c'est le Gaon de Vilna. Il a dit, le Gaon de Vilna, comme ça, c'était une raconte. Et ils étaient à côté. Je crois dans une synagogue, je ne sais pas, je ne me rappelle plus la raison. Alors le grand divin a lui dit, écoutez,
dis-moi qu'est-ce que tu veux, peut-être on peut étudier ensemble. Demande-moi quelque chose, c'est quand même pas quelque chose que c'est fréquent que tu es à côté de quelqu'un aussi gaon de Torah et tzadik kaze. Alors il dit, Rabbi, moi je vais te demander juste une chose. Moi, je vais sentir ton yetzarara. Je vais savoir comment il est ton yetzarara, toi. Il le regarde comme ça. Il dit, tu veux sentir mon yetzarara? Moi, c'est du feu qu'il dévore, mon yetzarara. Tu ne pourras pas résister une minute avec mon yetzarara. Alors lui, il croyait quoi? Un gaon de vina, mazel. Il n'y a pas un livre qu'on ne cite pas, il n'y a pas un tzaddik dans ce monde qui ne parle pas des gaons de vina. Lui, il a un yetzarara. Nous, on croit quoi? Ah, toi, tu n'as plus de... Tu fais Shabbat comme une malach, toi. Le mikvé pour toi, c'est top. Ça, tu fais ça, ça, tu fais ça. Pas du tout. Plus tu grandis, quand la gadol, celui-là qui est plus grand que son ami, son état est le plus grand. Plus tu grandis, plus ton état est grand. Donc, ça peut nous affaiblir. Tu dis, oh là là, si c'est comme ça, là, ça sert à quoi d'être grand et d'être plus religieux. Donc, chaque fois, il ne va jamais me lâcher cet état. Il faut savoir que plus tu as un état, si tu es plus grande, donc tu es plus proche d'Hachem. Qui a illuminé plus ta neshama. Donc tu vis dans une autre dimension. C'est une joie que tu peux amener toi des joies aux gens. Ça veut dire que comment on est aujourd'hui, je dis ça chaque cours parce que ça commence à être, ça pèse lourd. Tu vois les gens tous, ils font vraiment la tête. C'est pas qu'ils font exprès, chacun il est concentré dans son clipote. Et c'est un piège, parce qu'on a parlé plusieurs fois, quand est-ce que tu vas t'inquiéter de quoi, tu t'inquiètes de quoi? Qui te promet que demain, qui peut te promettre aujourd'hui quelque chose? Donc tu comprends que toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes, c'est des futurs. Et l'Etzara, il fait quoi? Chaque fois, il vole des futurs pour t'angoisser dans le présent. Donc toi, tu dois être Hachama, d'utiliser les mêmes tactiques des Tzara, mesure par mesure. Tu vas dire, ah, toi, tu me voles des avenirs et tu me gâches la présente, ben moi aussi. Je vais prendre des avenirs bitachon de Hachem et je vais vivre bien maintenant. Maintenant, j'ai rien. J'ai rien. Vous avez vu des gens, la plupart des gens, ils travaillent, ils sont tout contents d'aller au travail, mais ils savent à la fin du mois, j'ai mon salaire. D'accord? Comment ça se fait tes comptes ici, on ne te paye pas? J'ai les bitachons qu'on me paye à la fin du mois. Normalement, la majorité du monde, ça travaille comme ça. Tu te fatigues chaque jour, 20, 28, 31 jours. Chaque jour, tu travailles et tu sais qu'à la fin du mois, tu vas être payé. D'accord? Donc nous, on doit dire quoi? J'ai rien maintenant. J'ai pas bébé, j'ai pas encore marié, j'ai la parnassa, ça. Tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais Bezrat Hashem, archav, ça va maintenant? Ça va là maintenant? Sur le moment, toujours, on n'a pas... L'Yetzara, elle ne peut pas venir te gâcher sur la seconde présente. C'est toujours la minute qu'elle va après. Est-ce que vous comprenez? Et comment tu sais que c'est des pièges? C'est horrible, n'akhon? Toujours, il nous joue avec des tactiques. Chachamim, il dit, Atay Hashem, vous erlecha. Toi, tu dors, mais lui, il ne dort pas. Mais qui c'est qui ne dort pas aussi? Hachem. Hachem, Shomer Israël, le Hanou et le Ishan, ça veut dire. Chachamim, il dit, Im en Hachem Ozro, lo yacholo. Sache qu'Hachem ne te laisse pas dans cette main de cette rachat. C'est qui le rachat? C'est le Yetzara. Mais quel Yetzara? Il y a combien de Yetzara il y a? Il y a deux. Un qui t'est né avec, et l'autre qui est extérieur, qui lui, il est Satan, lui, c'est un malach, c'est un ange. Tu ne le vois pas. Lui, il est, on l'appelle Satan. Pourquoi? Il descend dans ce monde. Il nous embobine. Il nous fait notre salade. On tombe dans son piège. Olé ou mastin. Il monte là-haut. Il fait de la chanara sur nous. Après, il a une... Ok? Ah! Et il descend, il prend même, il veut prendre la neshama de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Il m'allait Hachem Ozro le Yacholo. C'est la Gemara, il dit ça. Pourquoi? Si Hachem il n'aide pas, si Hachem il n'aide pas l'homme, même s'il est
tzaddik autant que vous voulez, les plus grands tzaddik du monde. Si Hachem n'est pas contre cette Satan, cette Yetzirara, cette Malachamavet qu'on appelle l'ange de la mort, l'homme tout seul, le pauvre, il n'arriverait pas. C'est impossible qu'on arrive. Mais on a besoin de l'aide. Comment on fait? Il y a une condition. Les conditions qu'Hachem veut voir, comment toi, tu veux sortir d'Égypte. Comment toi, tu veux combattre ton Yetzirara déjà à toi. Que pour sortir l'Égypte, tu es obligé de combattre ton Yetzirara personnel. C'est qui? C'est Yetzirara qui est né avec moi, mon Teva. J'ai grandi comme ça, je suis né. Ma grand-mère, ma mère, ma soeur, moi, toute la famille, c'est des familles de nerveux. Ils sont tous la mèche courte. Donc, tu as un problème avec la colère. Donc, il faut que tu travailles ta colère. D'accord? Rancunier. Toute la famille, c'est des rancunières. C'est des pères et fils, ils ne partent pas, ils rappellent. Donc, tu as un problème avec les rancunes. Donc, il s'agit des traits de caractère. Tu prends tous les traits de caractère que tu as et tu l'examines un par un. Et tu vas voir que les choses qu'il retourne toujours avec ton mari, avec ta voisine, avec le travail, dans les banques, toujours, tu as les mêmes scènes qu'il retourne. Simplement, une fois faire ça avec une femme, une fois faire avec ça un homme, une fois c'est la CAF, une fois c'est les banques, mais c'est toujours quelqu'un qui t'énerve. Donc au début, tu peux dire, bon, c'est eux qui m'énervent, je ne suis pas énervé. Mais quand tu vois que ça commence à aller, ça commence à être des choses très sérieuses, comprendre qu'Hachem te parle à travers tous ces gens. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi il t'a mis autour de toi le monde? On a dit au début, le monde était créé pour moi, pour me servir, à faire mon tikkun, à réparer, d'accord? Mais quand Hachem va m'aider contre cette Yetzirara extérieure, quand il voit que moi, je fais le maximum de travailler sur moi avec cette Yetzirara TVI. Donc comment je vais travailler cette Yetzirara TVI? Il faut que je sors d'Égypte. Et comment je sors d'Égypte? Aujourd'hui, pour sortir d'Égypte, il faut des moussards non-stop, non-stop, non-stop. Tu vois, manger, ça suffit un repas par jour. Allez, on va dire trois. Mais ça suffit une, très bien, tu n'as pas besoin de manger beaucoup. Mais respirer en paix une fois par jour, non, on a besoin chaque seconde, on a besoin de respirer. Les moussards, c'est les respirations. Si tu n'as pas de moussard, tu ne peux pas. Parce que les Yetzirara, ils ne te lâchent pas. Aujourd'hui, plus ça va, plus il est fort. Vous avez vu une bougie avant qu'elle s'éteint? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Le Satan, Kamarno Ototo, il a fini son job. Il est mort là, Ototo, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il a toutes les forces qu'il utilise aujourd'hui de nous faire tomber dans les fautes, de nous faire pas avancer. Mais Hachem, à côté de ça, il fait, pour que tu te réveilles, il envoie des problèmes. Regardez ce qu'on entend aujourd'hui. Parce qu'on a WhatsApp, ou on a les moyens technologiques, pas du tout. Il n'y avait jamais, jamais des problèmes qu'on y a dans notre génération. Il y a des Tanaïm qui ont dit, on ne veut pas vivre dans les semaines que Mashiach il arrive. On ne veut pas vivre dans ces périodes. Pourquoi? Parce que aussi que le Satan veut nous réveiller et veut nous faire tomber, Hachem, il essaie de nous réveiller pour qu'on change. Change, tu vas aller à droite. Ah, tu ne veux pas changer? Va à gauche. Allez, allez, on ne discute pas. On n'a pas le temps à perdre. Il y a une sélection. Tac, 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 tu vois, c'est clair. Ni l'Hachem, ni les Avodazara, de Bala, autre chose. Tu vois, une sélection. Mais si encore Hachem, il te chatouille un peu, c'était encore la chance que tu te répares et tu vas à gauche. Il y a ceux qu'Hachem, il ne fait rien du tout. Au contraire, c'est ça notre Nissayon. Tu les vois. Ils ont de l'argent, la santé, toutes les signes de réussite de cette montée. Mais il y a une chose que tu ne sais pas. Hachem, il n'envoie aucune épaule. Au contraire, ils ont donné une petite somme à la Tzedaka. Direct, Hachem, il leur donne. Combien il a donné? 1000, 30 000, 40 000. Direct. Et toi? Toujours la même histoire, on est bloqué entre deux portes les samedis après que tu as descendu ou tu es monté 9 étages et tu regardes ces personnes et tu dis quoi? Lui, c'est quoi ça? C'est quoi ce monde? C'est pas juste.
justement, Hachem, il t'aimait cette scène pour que tu comprennes. Que parce qu'Hachem, il t'aime, tu chatouilles un petit peu. Réveille-toi, comprends. C'est pas Stam qu'il y a des difficultés. Change ce que tu as abîmé. Les tourim, ils vont arrêter. Comme si maintenant, obscurité, j'appuie sur le bouton, la lumière. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais quand l'homme, il est très têtu, il aime très, mais allez encore un petit peu. Vous connaissez les gens qui le grattent? Qui le grattent. Tu leur dis, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, attends, peut-être une fois par semaine. Oh, une fois par an, on verra. Pas de problème. Tu vas chez un médecin. Quelqu'un qui l'est, il a une tendance, il doit faire attention avec les sucres ou les cholestérols. Au début, les médecins disent, tu sais, je vois que tu as une fragilité. Viens, fais un petit régime. Il sort, mange ce que je veux. Et il s'éclate. 5-10 ans après, le médecin dit, allô, là je t'ai dit il y a 10 ans, tu ne m'as pas écouté, là ça commence à être un peu sérieux. Oui, je vais faire attention. Il sort, s'éclate. Un jour, il n'arrive même pas à marcher ni respirer, il n'est même pas debout, presque il entrait la vie et la mort. Le médecin lui dit, écoute, peut-être j'arrive à te sauver, mais là, c'est plus toi. Tu touches plus ça. Il croit qu'il meurt là, il est plus vite. Tu enlèves tous les moyens de plaisir soi-disant, la personne il croit qu'il est mort parce que là il sort complètement dans un désert, midbar. Ça s'appelle Yesourim, ça s'appelle épreuve. Pourquoi? Parce que personne aime qu'on lui dit tu fais. L'homme il aime, je vais choisir moi de faire. Quoi, tu vas décider pour moi? D'accord, avec le médecin. D'ailleurs, avec le médecin toujours on ne discute pas. Ah, il ne faut pas manger ça, d'accord. La majorité des gens, ils prennent les médicaments, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il y a des femmes, elle a pris pendant 5 ans de traitement, et c'était une erreur. Mais c'était trop tard, après 5 ans. Donc, Dieu permet. Mais si l'homme, il comprend, dès que le médecin lui dit, alors, tu as une fragilité, toi, dans les sucres, n'achon, tout de suite, il dit oui. Ah, fais un régime. Il fait attention avec les sels, ça il diminue, il est dans une grande soirée, il adore des choses, mais tu le vois comment il est policier sur lui-même. Il lâche rien du tout, ça veut dire c'est lui le roi sur sa vie. Il ne se fait pas par faiblesse, ah oh, allez je prends une et c'est tout, une petite cigarette, allez je vais tomber. Dommage c'est une femme qui était mariée, mais quel rapport, non j'étais faible, ah c'est un peu d'argent, j'étais faible, ah c'est un mensonge. Donc tu es 0, 0, 0. Donc si tu veux comprendre qu'il y a des signes, Akadosh Baruch Hu, il nous parle non-stop, il nous parle. Moi je veux que tu sors d'Égypte, merci. Je veux que tu sors d'Égypte, je veux que tu vives, c'est quoi la vraie vie. Mais tu ne fais pas confiance. Tu crois que quoi dans le désert, je vais te laisser comme ça. Toutes les missions, ils étaient dans le désert. Vous avez vu les missions qu'il y avait dans le désert, d'Aska dans le désert. Quel des miracles dans le désert. Mais nous, quand on entend aller au désert, ça veut dire je change ma vie, ça y est, on se bloque. Et pourquoi on se bloque? Parce qu'ici, c'est bloqué. Ici, dans nos têtes, on a des images. Il faut qu'on les sorte un petit peu. Rentre. Cours de Torah, tu comprends. Quand tu comprends, inalakha. Non, c'est pas compliqué. Non, il faut appliquer. Il faut appliquer. Attends, c'est pour ça qu'on a commencé par ça. Je vais te dire une chose, mamie. Écoute-moi bien. Ne regarde jamais quand tu veux arranger ta maison. Tu écoutes bien. Non. Écoute bien, Khazak. Comment tu fais? En gros. Je mets la main sur un truc et je commence. D'accord. Très bien. Alors imagine-toi que les salons et toutes les chambres, ils sont sur une loft, une sol. Il n'y a pas de porte. Moi, je rentre, je vois toutes les désordres. Et toi, tu as pris une chose. Et cette chose te prend 4 heures. Tu fais quoi? Moi, je rentre, waouh, je sors. Mais si tu comprends qu'il y a une chose que je fais jouer les hâtes, que ça me donne, soi-disant que les choses sont arrangées. Ce n'est pas encore loin de ça. Tu commences par des choses principales qui te donne l'impression que déjà tu as une main dans les cèdres. Puis il tombe, tu fais quoi? Les lits, tous les lits. D'accord? Déjà, les lits arrangés, tu as
moins d'impression que c'est un désordre. Ça veut dire, si tu comprends que tu as beaucoup de choses à faire dans la Avodat Hashem, tu commences par une chose principale. C'est quoi? Est-ce que je connais Hashem? Est-ce que je me connais déjà moi-même? Est-ce que tu arrives à être avec toi-même tout seul? De comprendre que c'est une créature hyper, hyper chère aux yeux d'Hachem et aux yeux de beaucoup de monde qui te connaît. Est-ce que ça, déjà, vous avez posé cette question, que je suis une personne unique au monde, un d'eux comme toi? Il n'y a pas même Neshamot, il n'y a pas de Neshamot dans ce monde. Donc ça, c'est des choses que... Attends, ça, on verra après. Déjà, il y a les loyers à payer, mon mari qui m'énerve, et les enfants, ça, et ça. Alors, ça, je me connecte avec ça, c'est... J'essaie de me sauver de cet rendez-vous. On essaie de sauver. Si juste tu regardes, chaque fois un petit peu tu t'approches de toi, un petit peu plus. Une minute par jour. Pense à toi. Qu'est-ce qu'Hachem maintenant, il est regardé là-haut. Il me regarde. Et chaque pas que tu fais, ou tu lui fais nachatoir, ou il est un petit peu, il fait la tête. Imagine-toi comme ça. Et tu vois les hâtes. Chaque jour un petit peu, je parle un petit peu avec lui. Je sais déjà qu'il me regarde. Je sais que je compte pour lui. Et c'est vraiment important pour lui quand je me lève le matin. Et je dis, mon dernier, merci Hachem. Rien que ça. Si tu peux après faire une Netilat Yadayim, encore deux, trois choses, c'est très bien. Mais si tu comprends combien c'est important pour lui, que toi tu sais qu'il pense à toi. Les hâtes. Tu commences cet contact avec Hachem. Si tu comprends pour qui tu fais les choses, ça change tout. Si tu comprends pour qui. Si tu comprends, il y a une chose. C'est comme si maintenant, imagine-toi une personne que tu aimes le plus au monde. D'accord? Une personne qui te demande quelque chose et que tu l'aimes, elle est le plus chère à tes yeux. Elle te demande une chose. Et une autre personne, ça va, c'est pas rapide comme ça. Et te demande aussi la même chose. Ou tu auras plus de courage à faire la chose avec X ou Y. C'est pas même pas que tu vas faire la chose, tu vas essayer de faire rajouter qu'elle soit encore plus contente de ce que tu as. Oui ou non? Hachem, si tu le connais, mal c'est pour toi faire une tefila, changer. Faire, Mazrak, dis-moi, je ne sens pas que je fais assez. Tu vas dire, Hachem, donne-moi des mitzvot, montre-moi ta derech. Si tu ne le connais pas, et tu entends, ah ça, faut pas faire Shabbat. Ah ça, interdit. Ça, faut pas. Ça, faut pas. Tu fais les choses parce que tu fais, parce que tu entends tellement de choses, tu dis, oh là là, moi j'ai peur de tout cette balagane, donc peut-être je fais un petit peu de choses. Comme ça, j'ai... Quelque part, je me sauve de beaucoup de décrets. Faux. Tu peux commencer par cette chioma. Mais c'est une chioma qui est très lourde. Parce que tu n'as pas sorti d'Égypte de toi. C'est fatigant. C'est lourd. Et qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de ça? Pourquoi il est handicapé? C'est un clochard, dort, je jette une pièce? Pas du tout. Hachem c'est le roi des rois, des rois, des rois. Rempli, entier. Avant toi, avant nous, après nous, avant qu'il a créé le monde, il est là. Il déborde de tout ce que tu peux t'imaginer. Donc tout ce qu'il veut, il t'a créé pour te donner. Parce qu'Hachem, il est altruiste. Et comme il t'a créé, comme lui, et toi, tu as Hachem en toi, tant que tu n'es pas venu comme lui, tu souffres. Donc dès que tu veux ressembler à Hachem, donc tu dois être altruiste, tu vas souffrir moins quand tu restes égoïste. Donc voyez des gens, plus ils sont altruistes, plus ils vont vers les autres. Que ce soit une sourire là, je aide là. Et il entend, il apprend encore des choses, il fait encore des choses. Il apprend que ça fait chesed, il fait. Et il apprend ça, et tac, tac, il compose, il change complètement. Et pourquoi ils sont plus heureux? Parce qu'ils sont moins égoïstes. Qu'est-ce qui fait que l'homme, il s'enferme, ils sont égoïstes. Il n'y a pas autre chose. Et pourquoi les gens ne sortent pas d'Égypte? Parce qu'ils sont égoïstes.
Oh, il va voir comment je dors, j'ai pas mon coussin et les draps et mon confort. Et il faut que je, quand je descends du lit, il y a un tapis, après des choses. Vous savez combien de pièges il nous fait les Yetzer Hara? Reste à côté de moi en Égypte, reste là au chaud. Qu'est-ce qui s'est passé, Basso? Tous les gens qui n'ont pas sorti d'Égypte, ils sont morts dans l'obscurité. Dans l'obscurité, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Comprenez, on ne peut pas vivre. Tu vis dans la lumière, tu vis quand tu es à côté d'Hachem. Combien tu vas vivre dans l'obscurité? Les gens ne voyaient pas qu'à peine il se tient, tu leur fais comme ça, dès qu'ils tombent, ils peuvent être riches, ils peuvent être ce que tu veux. Mais ils ne sont pas connectés à Hachem. Donc ils sont morts ou ils sont vivants? Gan Eden et Gehenom, c'est la proximité que j'ai avec Hachem. Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a qui ne sont pas pratiquants et qui sont vraiment pas égoïstes et qui donnent aux autres. C'est très très bien. Donc ils n'ont pas, venu réparer des choses qui sont déjà faites, mais ils ont autre chose à réparer. Mais ça, une première nissayon, deuxième nissayon, une petite chose qui vont avoir une petite épreuve, Khalila, dans ce secteur, c'est parce qu'ils ont fait des biens à quelqu'un, et après lui il avait besoin, et l'autre il n'a pas rendu, il va tout couper, tout ce qu'il faisait avant. Tandis que quelqu'un qui fait les choses parce qu'il aime les chesed, parce que c'est dans ses tripes, que tu me dis merci ou pas, ça m'est égal. Je fais pour l'idée, je ne fais pas que tu me dis merci, par politesse, je t'ai dit il n'y a pas de quoi. Mais c'est pas pour ça, parce que j'ai compris, ça déclenchait en moi, qu'est-ce que c'est le chesed? Tu comprends? Donc, si maintenant, je te dis, viens aider, tu me dis, ah non, je peux pas, je aide un tel, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Je ne vais pas régler des comptes avec toi. Je vais comprendre qu'Hachem, il essaie de m'envoyer un message. Est-ce que tu comprends? Tandis que l'autre qui va te dire, quoi tu ne m'aides pas? Mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a fait grandir? Qu'est-ce qui t'a aidé toutes les années? Maintenant que moi j'ai besoin. Tu me dis tu ne fais pas? Donc ça lui fait une cassure. Quand tu comprends que derrière chaque chose, il y a un message d'Hachem, tu n'as plus un rapport avec la chose lui-même.